Bonjour, bonjour à vous toutes. Je suis contente de commencer le début de semaine avec vous. Je suis émue de lire vos messages et je suis vraiment contente de vous avoir comme amie IES et amie. Aujourd'hui, c'est une journée cuisine. Cuisine, mais pour notre visage. C'est-à-dire que je vais vous proposer deux sérums anti-âge. Alors celui de Julien, que vous trouvez toutes bien, enfin beaucoup, et c'est vrai, c'est un garçon qui fait de très très belles choses et que j'aime beaucoup. Donc je vais vous mettre effectivement son sérum anti-âge, et puis je vais vous en rajouter un autre, qui sera plus peut-être pour les peaux un petit peu plus sensibles. Bon, bien que si Julien dit que c'est bon pour les peaux sensibles, il n'y a aucune raison, il les a testés aussi. Hein. Donc ne vous faites pas de soucis, c'est un pro. Et il vous donne d'excellents conseils. Donc, moi, je vais rajouter mon petit sérum. Effectivement, on ne les a jamais inventés parce qu'on les prend aussi sur des revues spécialisées que l'on reçoit. Donc, on y ajoute quelquefois un petit peu notre touche personnelle. Et voilà. Et je vais vous donner la recette du sérum que moi, j'utilise aussi en été, le soir. Pas la journée, pourquoi? Parce que moi les huiles essentielles avec le soleil, j'ai du mal, je n'en veux pas et je suis un petit peu bornée. Donc vous savez, je pense toujours qu'on prépare sa peau aussi avant, c'est-à-dire que les taches elles viennent pas du jour au lendemain non plus. Petit à petit elles se forment en silence, puis tout petit, on les voit simplement avec les loupes. Et puis, petit à petit, elle s'accuse. Donc, bon, je vais certainement en avoir aussi, évidemment, mais je veux limiter ces dégâts-là, parce que moi, je n'aime pas ça. Je préfère avoir des rides que des taches. Donc, voilà. Voilà pourquoi je n'utilise pas l'huile essentielle dans la journée. Au contraire, je l'ai bannie complètement, même la plus inoffensive. Mais si mon avis à moi, il n'est pas universel, on s'en fout. Moi, je fais ça pour moi, mais chacun est libre de faire comme il veut. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner deux recettes. Et puis, je vais vous donner d'autres petites recettes aussi. Un démaquillant express. Parce qu'on se couche tard, peut-être, avec le feu d'artifice, avec plein de choses. Et on n'a quelquefois pas trop envie de se démaquiller. Ou alors, on n'est pas chez soi et on a oublié de prendre son démaquillant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer le démaquillant dans le réfrigérateur ou dans votre cuisine? Il y a plein de choses. Donc voilà, tous mes conseils beauté aujourd'hui sont dans la cuisine. Je vous souhaite une très très bonne journée avec du soleil. Pas trop, mais un petit peu. Petite heure et demie, 2 heures maximum. Allez, au revoir à toutes et bonne journée.